Hello la famille, c'est Ali Petit, j'espère que vous allez bien, j'espère vraiment que tout se passe bien chez vous là-bas, les enfants, le chéri, les études, le commerce, j'espère vraiment que tout va bien. Par la grâce de Dieu, chez moi, ça va, je suis en forme par la grâce de Dieu. J'ai eu tellement de problèmes de voix, oh là là là, j'avais mal à la gorge. D'ailleurs, vous avez été nombreuses à me donner des petits remèdes naturels et tout. Vraiment, merci, merci, que Dieu vous bénisse la famille. Pour toutes les nouvelles abonnées, vous êtes les bienvenus chez vous et les bienvenus chez nous, les bienvenus dans la famille Tali. Si toi tu me suis déjà, merci à toi de liker, merci à toi de commenter et surtout merci à toi de partager parce que c'est grâce à toi que la famille s'agrandit. Aujourd'hui, on va parler hydratation parce que c'est l'hiver, parce que vous êtes nombreux aussi à me poser la question. Souvent, ça revient, souvent, souvent, et pourtant, je vous ai fait tellement, tellement de vidéos sur ça. Vous êtes nombreuses toujours à me demander, Tali, quel lait tu me conseilles? Quel lait hydratant tu me conseilles? Alors aujourd'hui, je vais te faire un mélange, mais un mélange de la gloire. C'est un mélange hydratant, la famille. La famille, que tu sois dans le tia, que tu sois pas dans le tia, que tu aies la peau abîmée, le mélange que je vais te présenter aujourd'hui, ça va être ton ami. Je t'assure que quand tu vas commencer ce mélange-là, tu vas revenir me dire, Tali, pourquoi? Pourquoi je ne connaissais pas ce mélange? C'est vraiment un mélange de la gloire! Du coup, pour faire ce mélange-là, tu auras besoin en premier de cette vitamine E-là. Ça se vend en pharmacie, la famille, ça se vend en pharmacie. C'est une vitamine E que tu peux boire ou que tu peux mettre les comprimés-là dans ton lait. Nous, aujourd'hui, on va mettre dans le lait. Mais si tu veux, il n'y a pas de souci. Tu peux aussi le boire sans problème. D'ailleurs, tu peux, quand tu vas acheter, demander conseil au pharmacien. En tout cas, pour notre composition, on aura besoin juste de 4 comprimés de cette vitamine-là, Toco. La famille, ça coûte pas cher. Je t'ai déjà parlé de ça plusieurs fois. Mais dans ce mélange-là, tu auras vraiment besoin de cette vitamine E-là. Ensuite, tu auras besoin d'un lait hydratant. Alors, je vais te citer quelques laits hydratants. La famille, si toi, tu as ton lait hydratant, mais vraiment que tu jures que sur ça, que tu te dis, moi, ce lait-là, il me va, reste avec ton lait. C'est pas parce que j'ai cité un autre lait que toi, tu n'as pas, tu vas courir le prendre. Je vais te donner 3 exemples à 4, voire 4 laits hydratants qui, vraiment, dans ce mélange-là, marchent très bien. D'ailleurs, si tu n'as pas la vitamine E Toco et que tu es en ta possession et que tu as à ta possession et que tu as en, et que tu as en ta possession l'huile réparatrice, tu peux remplacer parce que l'huile réparatrice, elle est bien dosée en vitamine E. Tu auras besoin de Evenshin. Alors, la famille, si tu me suis déjà, tu sais que j'aime ce lait-là, que vraiment ça fait partie de mes chouchous. Surtout en hiver comme ça, il fait partie vraiment de mes chouchous. Alors tu vas prendre Evenshin, tu peux le mélanger avec cette vitamine E dont je te parle, la famille. J'avais déjà fait une vidéo vraiment entière sur ce lait-là qui est juste magnifique, mais vraiment. Juste magnifique, surtout dans les saisons comme en hiver comme ça, c'est vraiment le top, le top, le top. C'est vraiment un très très bon lait. C'est une bonne crème. Après le souci, comme j'ai toujours l'habitude de vous dire avec Evenshin, c'est le fait qu'il te fasse transpirer beaucoup. Mais si en ce moment pour toi c'est l'harmattan, c'est la saison sèche ou c'est l'hiver, alors n'hésite pas. C'est vraiment une bonne crème. Dans la catégorie des crèmes hydratantes, tu peux aussi avoir la crème hydratante CeraVe qui est une très très bonne crème. Dans mes souvenirs, elle doit coûter 9,90 €, mais vraiment, c'est un lait quand tu la mets,
tu retrouves vraiment, vraiment, vraiment l'élasticité de ta peau. Elle est très, très hydratante et vraiment, c'est un lait qui convient aussi aux peaux sensibles. C'est vraiment, comme je t'ai dit, très hydratant. Je vais venir te parler aussi du lait Queen Hélène Cocoa Butter. Qui la famille. Ah, lui là, c'est un ancien. C'est vraiment un lait qui hydrate l'odeur du cacao dans ça. Yé, j'aime trop ce lait, j'aime trop. J'aime vraiment, vraiment. Ce sont vraiment, vraiment des anciens laits, des laits qu'on a mis quand on était enfant. Donc, quand je le mets là, je retrouve mon enfance, quoi. Franchement, ça donne aussi un bon teint aux enfants. C'est vraiment un très, 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 très bon lait. Donc, voilà, je t'ai cité à peu près trois laits. Il y a aussi le Mixa réparateur qui est aussi super. Mais vraiment, les laits dont je t'ai cité là, ce sont des laits de base que tu peux également faire un mélange pour les teints caramel, tu vois. C'est vraiment des très très bons laits dont je t'ai parlé. Comme je t'ai dit, si jamais tu ne retrouves pas ton lait, là je t'ai parlé juste des mes quatre chouchous. Il y a aussi le Dexeryl que j'aime beaucoup. Donc ce sont des petits chouchous comme ça dont je te parle. Mais il y a énormément de laits hydratants qui vont t'aller en fait. Donc sinon, si tu veux, d'ailleurs, je te mettrai le i. Pour que tu ailles voir à peu près les vidéos dont je parle de mes meilleurs laits hydratants. Donc là, comme je t'ai dit, tu as ton lait hydratant, tu as tes comprimés de vitamine E. Donc, tu vas prendre 250 ml de ton lait hydratant. Tu vas venir prendre 4 à 5 comprimés de cette huile de vitamine. De ces comprimés de vitamine E, tu vas mettre à l'intérieur de ton lait. D'accord, la famille? Alors, si toutefois tu n'as pas les comprimés de vitamine E, tu as l'huile réparatrice, ça suffit. Pour toi, le mélange, il est bon. Tu mets un bouchon d'huile réparatrice dans tes 250 ml de lait, c'est bon. Bon, j'avais eu un commentaire. J'avais eu un commentaire, quelqu'un qui m'avait dit, mais pourquoi tu dis ml? Pourquoi tu ne peux pas tout simplement dire millilitres? Donc pour cette personne-là, je vais lui dire, 250 millilitres, la famille. Pour toi là, c'est millilitres, d'accord? Pour les autres, ça va être ml. Donc ceux qui sont de millilitres, oh, prenez millilitres. Ceux qui sont de ml, oh, prenez ml. Donc là, on a deux produits, d'accord? Le troisième produit que tu vas rajouter, ça va être de la glycérine. De préférence, si tu as la glycérine QEI+, ça serait bien. Si tu n'as pas la glycérine QEI+, mets la glycérine claire. La bleue, là. La famille. Je te dis que le teint de ça. Je te répète que tu vas venir dire, Tali, mais pourquoi, pourquoi je ne connaissais pas ça? C'est vraiment le teint de la gloire que tu vas avoir. Si tu sens que ta peau s'est un peu abîmée avec un produit, tout ça. Essaie ce mélange hydratant, la famille, et tu viendras me dire. Essaie ce produit-là, essaie ce mélange-là, et tu viendras me dire en commentaire, la famille. Fais ce mélange. Tu viendras, je suis sûre. Parce que je sais que vous, là, vous êtes honnête. Vous êtes honnête. Oh. Dès que vous utilisez quelque chose, vous revenez, Tali. Tali, Tali, en tout cas. Ça, là, ça a marché. Oh. Ça, là, ça n'a pas marché. Ça, là, je sais. Donc, tu vas revenir me dire. C'est vraiment un mélange de la gloire. Moi, ce genre de mélange-là, je réserve ça pour l'hiver. Bon, comme j'étais dit, si tu as l'huile réparatrice, mets ton bouchon d'huile réparatrice dans ton lait hydratant et vraiment, tu verras le changement. C'est-à-dire la souplesse de ta peau et la réparation que tu auras de la peau, tu viendras me dire à la famille. Donc voilà ce que j'avais à partager avec toi aujourd'hui. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Que Dieu te garde, que Dieu te bénisse en abondance. Bisous, bisous.